Merci, Xenia. Bonne soirée. L'annonce du jour a lieu sur fond de polémique concernant la corruption à la FIFA. La BBC révélait cette semaine encore des faits sur les voix monnayées lors des précédents votes. Et des voix s'élèvent pour que la Suisse, qui abrite la FIFA, réagisse. David Berger. Malaise autour d'un trophée. L'image dégradée de la FIFA déteint. La Suisse politique ne veut plus laisser les organisations sportives pratiquer l'autogouvernance. Voir s'étaler des faits de corruption sans pouvoir agir, Carlos Omaruga n'en veut plus. Après cette journée de désignation en fait, des gagnants, tout ça va retomber et puis tout le monde va s'occuper d'autre chose. La proposition du Genevois, les cas de corruption dans le secteur privé doivent à l'avenir être poursuivis d'office et plus seulement sur plainte. Une norme pénale a comme premier objectif d'avoir un effet préventif. Donc l'existence de cette norme oblige en tout cas la FIFA, qui a son siège ici en Suisse, à être extrêmement attentive pour que ce genre de cas ne se répète pas. Une façon de mettre la pression sur Ueli Maurer, qui a déjà dit son intention de serrer la vis. Tous les bords politiques diagnostiquent le mal, franchise d'impôts pour les fédérations, exonération de certaines lois, mais tous ne prescrivent pas le même remède. Nous recevions des messages extrêmement clairs et fermes des organisations selon lesquelles elles faisaient leur propre justice. Si aujourd'hui l'impression est que ce système-là ne fonctionne pas, alors la justice doit intervenir. Une des solutions possibles serait d'organiser la FIFA comme une entreprise privée avec des règles pour good governance, avec des règles pour payer les impôts. Je pense qu'il ne faut pas non plus mélanger la morale et le droit. Au fond, on a affaire à des comportements immoraux et que les pressions politiques sont probablement le moyen d'arriver à assainir cela. Le jeu a ses limites. Fans de foot ou pas, les politiques estiment que le temps de l'impunité est aujourd'hui révolu.